Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Franchement, ça me fait trop bizarre. Ça y est, je suis de retour sur YouTube. Ah là là, franchement, je suis trop contente. Faut dire que ça fait 4 ans. Genre, je me suis lancée. Enfin, c'était en 2015 même que je me suis lancée. Donc, ça fait 5 ans. On est en 2020. 5 ans que je me suis lancée sur YouTube, s'il vous plaît. Et je me suis lancée. J'ai arrêté au bout de. Au bout de combien de temps? Franchement, au bout de pas longtemps. Hein. Parce que je sais que je me suis lancée en avril 2015 et que je suis tombée enceinte peu de temps après de ma Isabella. Il faut savoir que j'ai eu une grossesse très difficile. Donc je pense que du coup, je suis restée 3 mois sur YouTube. 3 mois, mais 3 mois de folie. Et ensuite, je suis tombée enceinte de ma Isabella. Tous les jours, j'étais là, j'étais en train de vous dire, je vais revenir, je vais revenir. Je pensais que j'allais revenir vraiment. Je pensais que ça allait aller mieux, mais j'ai vécu une grossesse trop difficile. Ensuite, il y a eu les déménagements. Et puis après, vous connaissez, hein, quand on est là, on dit demain, bientôt, dans quelques jours, quand il ira à l'école, quand ça. Et puis après, je suis tombée enceinte de Naïl, puis on a dû déménager encore. Franchement, j'ai fait que repousser et je m'en excuse sincèrement pour celles qui aimaient trop ma page, qui aimaient trop me suivre. Franchement, je suis vraiment désolée. Mais bon, j'ai toujours eu ma page Instagram. Je suis restée active sur ma page Instagram. Donc voilà, c'est pas comme si j'avais complètement disparu. Mais c'est vrai que YouTube, les vidéos, etc., c'est un autre monde. C'est totalement différent. Et c'est vrai que j'aimais vraiment beaucoup, mais j'ai pas trouvé le temps. C'est pas l'envie, hein. Vraiment, c'est pas du tout l'envie, c'est le temps que je n'arrivais pas à trouver. Bref, dans tous les cas, je suis de retour et vraiment, je compte y rester pendant très longtemps, si Dieu le veut. Donc voilà, je vous fais cette vidéo un petit peu pour me présenter, ben, du coup, pour celles qui ne me connaissent pas. Mais bon, je pense que si vous vous abonnez à mon compte, surtout si vous regardez cette vidéo, c'est que vous me connaissez un minimum parce que c'est pas le genre de vidéo qu'on va regarder comme ça par plaisir. Donc voilà, mon compte Instagram, Merveille by Sassy. Donc je suis sur les réseaux sociaux depuis avril 2015, donc ça fait très longtemps. Mais bon, ensuite, du coup, quand je suis arrivée sur Instagram, je n'avais que Caïs. Donc je partageais des looks mère-fils, sachant que je cachais, je me rappelle, la tête de Caïs. Et voilà, je partageais des looks avec Caïs. Et ensuite, photo avec Caïs. C'était trop mignon dans notre petit jardin à Brest. Et ensuite, je suis tombée enceinte. Donc quand je suis tombée enceinte, au tout début, c'était trop galère. Franchement, j'étais grave malade. Donc c'est pour ça que j'avais fait une grosse pause sur YouTube. Ensuite, je me rappelle, j'avais fait une petite vidéo où je crois que j'étais enceinte, hein. Je crois que j'avais fait une vidéo où j'étais enceinte et après on a dû déménager et tout et à chaque fois je repoussais et finalement j'ai jamais repris YouTube franchement. Et ensuite j'ai supprimé mes vidéos quand je suis arrivée à Metz, s'il vous plaît, j'ai supprimé mes vidéos. Mais comme je regrette, j'aurais trop aimé revoir et tout ce que j'avais fait sachant que je filmais avec mon iPad et tout. Mais j'aurais jamais dû quand même, enfin j'aurais jamais dû enlever les vidéos. Erreur de jeunesse j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut savoir que bah, du coup sur Instagram, je suis quand même restée sur Instagram. Et ensuite, au fil des... Donc voilà, j'ai évolué sur Instagram, mais bon, je me suis fait pirater. Franchement, moi j'ai une de ces poisses avec ça, je me suis fait pirater 2 fois s'il vous plaît. 2 fois, mais bon, là du coup, bref, c'est un peu compliqué, mais de toute façon, je vous ferai une story time à ce sujet-là. Bref, je vais arrêter de trop m'éparpiller parce que là, je suis en train de raconter tout et n'importe quoi. Vous me connaissez, hein, j'aime trop parler, genre je parle vraiment trop. Mais bref, donc sur cette chaîne YouTube, vous allez y retrouver principalement des tutos turbans. Vous êtes tellement, mais tellement nombreux à me demander. Franchement, je sais même pas pour faire genre, hein, mais quand j'ouvre mes messages privés, je reçois même des mails à ce sujet. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire un tuto turban? S'il te plaît, j'ai un mariage ce week-end, j'aimerais reproduire ce turban-là et tout. Et genre, ça me touche trop. Je me dis, ah ouais, genre, elle kiffe vraiment et tout. Et je reçois des messages de filles qui sont en train de me dire, ouais, ça se voit que t'as pas envie de nous montrer, tu veux garder pour toi ton secret et tout. Et j'ai tellement rigolé. J'ai dit, mais si j'avais vraiment pas envie, déjà, je m'afficherais pas sur les réseaux sociaux. Parce que rien qu'en montrant des photos avec moi, avec le turban, c'est possible qu'il y a des filles qui arrivent à le reproduire. Déjà, de un, premièrement, quelqu'un qui n'a pas envie qu'on le recopie, qu'on recopie son style, sa façon de se coiffer, sa façon de mettre un foulard, un turban, elle ne se met pas sur les réseaux sociaux, clairement. Parce que quand on se met sur les réseaux sociaux, on sait très bien
que du coup, y a des gens qui vont aimer notre façon de nous habiller, notre façon de nous coiffer, de mettre notre foulard, etc. et qui du coup vont le reproduire. C'est un peu logique en fait. Bref. Donc, pas du tout, vraiment, moi, c'est avec grand plaisir que je vous partage. C'est juste qu'en fait, je trouvais pas le temps de le faire. Je trouvais pas le temps de faire une vidéo. J'avais pas envie de faire une vidéo à la One Again, genre vite fait, en train de mettre mon foulard. Donc voilà, moi, j'aime bien quand je fais quelque chose, de faire les choses bien, entre parenthèses. Quand je dis faire les choses bien, c'est bien filmer, etc. Parce que sinon, je suis trop quelqu'un de fouillis. C'est trop contradictoire ce que je dis, mais il y a que moi pour le comprendre, ou bien les gens qui me connaissent pour comprendre comment je suis, comment je fonctionne. Mais bref, du coup, tuto turban principalement, étant donné que je sais que c'est ce que vous allez regarder le plus. Ensuite, je vais également faire des tutos make-up. C'est vrai que moi, le maquillage, ça a toujours été une passion. Depuis toute petite, hein, vous pouvez demander à ma mère, mon père, mes soeurs, j'ai toujours été quelqu'un qui aime le make-up. Je me rappelle quand j'étais petite, je me cachais pour me maquiller, s'il vous plaît. Si mon papa y regarde la vidéo, même lui il va savoir. En plus, on en parlait hier au téléphone parce que je disais que ma Isabella elle voulait trop se maquiller. Il me dit ah bah comme toi. Donc voilà, en gros, j'étais en train de vous dire que j'ai toujours aimé le maquillage, mais j'ai jamais été une pro. J'ai jamais pris de cours ou quoi. J'avais fait avec Mariam une petite formation d'une semaine, mais sinon, enfin, j'ai jamais appris vraiment à me maquiller. J'apprenais comme ça en regardant des vidéos sur YouTube, en testant ci et ça. Et du coup, je trouve que quand je maquille, en fait, quand vous voyez les étapes de mon make-up. Enfin, moi, je me dis des fois, mais genre, je fais n'importe quoi. Mais après, quand je vois le résultat à la fin, je me dis, ah ouais, genre, c'est canon. Et c'est vrai que vous êtes nombreuses à me dire, oh, mais comment tu fais ça? C'est quoi que tu utilises pour ton teint et tout et tout? Du coup, je me suis dit, je vais faire des vidéos YouTube. Vous attendez pas à des vidéos de ouf, à des make-up de ouf, parce que voilà, moi, je sais pas faire des make-up trop, trop travaillés et tout. Je suis vraiment quelqu'un dans la simplicité pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, en fait. Mais après, enfin, personnellement, je trouve que. Ce genre de make-up, par exemple, que je porte là, c'est des make-up qu'on peut porter tous les jours. C'est pas trop, c'est pas trop chargé, c'est très simple. Et bah, pour moi, c'est le plus important, des make-up qu'on peut porter un peu tous les jours. C'est ce qu'on recherche après des make-up de soirée et tout. Enfin, moi, personnellement, je pourrais vous en faire quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est pas trop là où je suis trop, trop forte. Bref. Donc voilà, également des tutos make-up. Après, je vais vous faire beaucoup de story time parce que j'ai tellement de choses à vous raconter. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Et franchement, c'est marrant de partager un petit peu ces story time, hein. Franchement, il m'est arrivé des trucs dans ma vie. Non, mais vous allez être mort de rire. Ensuite, ben, du coup, je vous ferai des petites vidéos ben, pour vous raconter mes grossesses. Depuis le temps, je me rappelle à mes débuts du YouTube et tout, je vous avais dit, ah, mais je vous raconterai la différence entre Caïs et Maïsabella. Et ben, il y a Naïl qui s'est rajouté. Je vous raconterai également la grossesse surprise de Naïl. Je vais vous raconter, franchement, plein de choses, mon mariage, ma rencontre avec mon chéri d'amour, bref, un petit peu tout ça. Voilà, je vais vous raconter, franchement, plein de choses, je vais vous partager plein de choses. N'hésitez pas, vous également, à me dire ce que vous aimeriez voir sur ma page YouTube. Si c'est possible et si c'est quelque chose que j'ai envie de faire, eh ben, je vous le ferai avec grand, grand, grand plaisir. Voilà, franchement, je sais pas trop quoi vous dire. Ma vidéo touche à sa fin. C'était vraiment une vidéo juste bah, du coup pour vous annoncer mon retour. Et ensuite, bah, je vais commencer à vous poster des vidéos petit à petit. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente de revenir, mais vraiment. Genre, ça m'a manqué de parler toute seule dans ma chambre. Non, je rigole, mais. Je sais pas, franchement, moi j'aime beaucoup YouTube, j'aime trop, je trouve que ça change beaucoup d'Instagram, c'est pas pareil. Je m'étais dit au début, ben pourquoi pas dans ce cas-là faire sur IGTV, mais je sais pas, j'aime plus YouTube, je sais pas, je trouve que c'est vraiment pas pareil en fait. Je trouve que c'est pas pareil, j'aime beaucoup Instagram, j'aime beaucoup YouTube, mais j'aime bien différencier les deux parce que pour moi c'est totalement différent. Donc voilà, en plus, vous avez été très nombreuses à me le demander et du coup c'est aussi ça qui m'a poussée à me relancer sur YouTube. Voilà les filles, je vous mets le nom de ma page Instagram juste ici. N'hésitez pas à vous abonner, ben, du coup pour celles qui ne retrouvaient plus mon compte Instagram étant donné que j'en ai un nouveau depuis quelques temps. Je vous mets également mon Snapchat pour celles qui veulent suivre ma petite vie sur Snapchat. Et voilà pour mes réseaux sociaux, je suis trop contente. Si bah du coup j'ai pas envie de vous dire si cette vidéo vous a plu parce que enfin c'est une vidéo juste présentation. Mais bon, si vous avez quand même kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis je vous fais plein de gros bisous et c'est parti pour le retour. Je suis trop contente. Gros bisous.